Internet, impossible désormais de reculer. Ce samedi 17 juillet, le streamer Arkounir a proposé à ses followers sur Twitter de se lancer dans un défi un peu insolite, parcourir le globe terrestre de San Francisco à Vanino, à l'extrême et de la Russie, en passant notamment par Paris. Mais pas question de voyager en voiture ou à pied, le périple devra se faire sur Google Maps, et en Street View. Le tout sera diffusé en direct sur Twitch, et en échange, 100% des fonds récoltés seront reversés à une association. Arkounir avait posé comme seule condition à ce défi que le président Emmanuel Macron réponde à son tweet. Or, c'est désormais chose faite. Ce lundi, le président de la République, qui multiplie les signaux envers les youtubeurs et autres affiliés depuis plusieurs mois, a répondu à Arkounir sur Twitter, en postant un simple « banco ». La suite après cette publicité, le streamer, qui a estimé le temps de voyager entre 25 et 30 heures, n'a pas caché sa surprise face à cette réponse. Pour le moment, aucune date n'a été précisée, mais Arkounir a promis qu'il en informerait ses followers. Bon bah, on va découvrir du paysage ensemble, hein, a-t-il commenté néanmoins dans la matinée. À voir également sur le HuffPost, ces députés ont joué à League of Legends sur Twitch pour montrer qu'ils sont, comme tout le monde, lire aussi sur Twitch. Le tacle de Hollande à McFly et Carlito n'est-ce pas passé inaperçu le 14 juillet de McFly et Carlito ne s'est-ce pas exactement passé comme prévu.